السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بجميع التلاميذ والتلميذات في هذا الفيديو. إن شاء الله سوف نتحدث عن الصخور الصهارية الموجهة للسنة الثانية إعدادي مسلك دولي. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الجرس لكي يصلكم الجديد. Donc aujourd'hui, on va parler sur les roches magmatiques et précisément sur deux roches magmatiques principales, le basalte et le gabbro. Et on va voir les constituants de chaque roche à partir d'une observation à l'œil nu et des observations des lames minces de gabbro et de basalte. Donc, comme introduction, le refroidissement de magma donne des roches appelées les roches magmatiques. Donc, les roches magmatiques, ce sont des roches qui sont issues à partir d'un magma. Les conditions de refroidissement et la composition minéralogique déterminent le type des roches formées. Donc, on va voir les questions qu'on va entamer dans ce cours-là. On va voir la première question. Quelles sont les caractéristiques des roches magmatiques? C'est-à-dire la cristallisation et la structure de chaque roche. Et la deuxième question, on va voir comment se forment les roches magmatiques, que ce soit dans les dorsales océaniques et aussi dans les zones de subduction. Donc, on va commencer par grand 1, les roches magmatiques au niveau des dorsales océaniques. Donc, les dorsales océaniques, ce sont des zones d'écartement. On va commencer par la première, c'est la comparaison entre le basalte et le gabbro. Donc, comme petit a, on a l'observation des roches magmatiques à l'œil nu. On a deux roches magmatiques, le basalte et le gabbro. Ce sont deux roches qui se forment au niveau du dorsal océanique. Donc, le basalte est une roche magmatique de couleur sombre avec des petites lacunes. L'observation de basalte à l'œil nu montre la présence des éléments brillants. Ces éléments, ce sont les cristaux. Donc, le gabbro, c'est une roche magmatique de couleur vert à noir. Maintenant, on va voir l'observation des lames minces par le microscope polarisant. Donc, le microscope polarisant, c'est un microscope qui est utilisé pour voir les lames minces des roches. Donc, on va commencer par des lames minces de basalte et de gabbro. Donc, on va voir les constituants de chaque roche, que ce soit le basalte et le gabbro. Donc, vous voyez ces documents qui présentent deux lames minces. On va commencer par la lame mince de basalte qui est constituée par des cristaux comme le pyroxène et le plagioclase et l'olivine, alors que le gabbro, il est constitué aussi de plagioclase, des olivines et des pyroxènes. Donc, on va voir dans le gabbro, on a seulement des cristaux de grande taille. Alors que le basalte, il est composé de cristaux de différentes tailles avec une pâte vitreuse. Donc, c'est une matière non cristallisée qui s'appelle la pâte vitreuse. Donc maintenant, on a des observations des lames minces de basalte sur un microscope polarisant. Donc, la lame mince de basalte montre qu'il est constitué d'une matière non cristallisée, c'est la pâte vitreuse, et des cristaux, par exemple l'olivine, c'est un cristal de grande taille. Aussi, le pyroxène, c'est un cristal de grande taille. Et le feldspath, c'est un cristal de petite taille. On l'appelle aussi, ce sont des micro-cristaux.
micro-cristaux ou bien des microliths. Donc, l'observation des lamelles de basalte sur un microscope polarisant montre qu'il est constitué de grands cristaux, que ce soit d'olivine, de pyroxène et de microcristaux, c'est-à-dire de cristaux de petite taille, de feldspath appelés microlithes, dispersés dans une matière non cristallisée appelée la pâte vitreuse. Et on dit en général, donc, le basalte, c'est une roche à cristallisation incomplète car il y a la présence de la pâte vitreuse. Et on dit qu'il y a une structure qui est microlithique. Donc, microlithique, c'est-à-dire la présence des microlithes. Pour le gabbro, donc l'observation des lames minces de gabbro sur un microscope polarisant montre qu'il est constitué seulement de grandes cristaux, que ce soit d'olivine, pyroxène, feldspath, avec l'absence de la pâte vitreuse. Donc, on dit que le gabbro est une roche à cristallisation complète, car il y a l'absence de la pâte vitreuse. Et on dit qu'il y a une structure qui est grenée. Donc, je termine ce vidéo-là jusqu'à ici. Donc, merci pour votre attention et j'espère une bonne continuation. Merci. كنتمنى لكم التوفيق وما تنساوش في الاخير تابوناو معنا وديرو